personne ne bosse, hein. C'est pas comme ça qu'on va rattraper le pays, hein, les gars. C'est moi qui vous le dis. Ça va? Oui, bien installé? Eh ben, amusez-vous bien, hein, pendant que moi je vais au taf. Dépêche-toi, on va être en retard comme d'habitude. Je m'appelle Paulin, Paulin Lepin, comme le pain de la boulangerie.
Et l'autre là. C'est Fanny, elle vient de le dire. C'est pas que je m'ennuie avec vous, mais moi, il faut que j'aille bosser. Vous avez qu'à attendre ici, puisque la salle d'attente est hors de service. Mais la juge a dû faire une erreur de date. Moi, j'avais bloqué 3 jours avec son assistante, temps de tout remettre en ordre. Oh, mais vous pouvez retourner travailler, on va attendre. Hein. Oh, puis c'est gentil à vous de nous avoir accueillis. Hein. Il faut encore que tu la ramènes, toi. Allez, va t'asseoir. On composera. Mais vous avez vu comment vous lui parlez, à votre femme? C'est pas votre clébard. Mais c'est que mon chien, il comprend plus vite qu'elle. Et puis d'abord, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Est-ce que je vous demande, moi, comment ça se passe chez vous avec votre bonhomme? Oh, mais ça se passe super bien, mon petit gars. Je suis célibataire et très heureuse de l'être. Ben, vous avez bien de la chance. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, encore? Rien pour là, je parle toute seule. C'est pire en pire, ma pauvre. Bon, et je vous laisse, hein, moi, je vais bosser. Et puis, j'emmène ma radio parce que j'ai pas envie de vous entendre vous engueuler. Salut! Alors, on peut même plus boire son café tranquille ici? Vous appelez le pain? C'est pour le rendez-vous avec la juge? Non, non, non. On vient acheter un frigo. Si c'est pour un frigo, allez l'acheter chez le boulanger, comme vous appelez le pain. Vous voyez le drôle, c'est loupé. Oh ben alors, vous êtes coincé du slip. Hein. Allez donc, posez votre cul dans les fauteuils là-bas en attendant la juge. Moi, je vais finir mon café. Mais qui c'est celui-ci? C'est quoi ce phénomène? Dégage de là, laisse-moi le fauteuil. Alors celui-là, c'est le même. C'est celui-ci que je veux, alors tu te vires de là. Allez! Donne le magazine. C'est celui-ci que je veux, alors tu me donnes ce magazine. Vous appelez l'assistante. Hé, vous pouvez venir?
en plus on se fait engueuler. Les meubles assistants arrivent. Enfin, je pense qu'il va falloir l'attendre un peu. Moi, je retourne bosser. Bonjour, enchanté, je m'appelle Marius. Enchanté, Marius, moi c'est Fanny. Assieds-toi, le tracé de l'air. C'est mon fauteuil là. Mais prenez le mien, je vais rester debout. Mon ange, je vous en prie, restez assise, Fanny. Moi, je vais prendre un tabouret. Non, n'en faites rien, regardez, je vais prendre le tabouret, moi. Vous êtes sûr? Oui, oui, ça ira très bien, restez. Oh, écoutez, là, ça ne faisait rien du tout de prendre le tabouret, là, vous savez. Fanny, tu vas nous rabattre les oreilles combien de temps avec ton tabouret? C'est pareil pour toi, Marius. Vous n'allez pas passer la journée à vous faire des courbettes pour savoir qui va poser son cul sur le tabouret. Eh ben tiens, laisse ton fauteuil à Madame Lepin. Prends un tabouret puisque tu y tiens tant. Ce sera plus simple, non? Oui, si. Oh oui, vous avez raison. Oh, bah, en effet, ce sera plus simple. Je vais demander quelque chose à toi. Non, je crois pas. Idem pour toi. Alors vous aussi, vous dites adieu au mariage? Oui. Et je vais vous dire, c'est pas trop tôt. La galère va se terminer. Une chiffre molle. Une lavette. Voilà à quoi je suis mariée. Mais t'es dur avec moi, ma bibiche. Je suis pas méchant, moi. T'es pas méchant. T'es juste con comme une valise. Mais moins pratique. La valise a des poignées, elle. Qu'est-ce que je disais? Regardez pour là. Il va se mettre à chialer. Je vous comprends, Rose. J'ai la même à la maison. Juge Gabriel Laloi. Oh, ben excusez-moi du peu, hein, c'est pas marqué sur
votre front hein, que vous êtes la patronne des lieux. Depuis ce matin, c'est un vrai défilé, là, ça n'arrête pas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Les travaux, c'est quand je ne suis pas là. C'était bien conduit comme ça, non? Eh ben, votre assistant a dû se mélanger les pinceaux. Hein. Moi, il m'a dit que j'avais 3 jours à compter d'aujourd'hui pour tout remettre en état et que je serai seule. Écoutez, je suis là, vous reviendrez un autre jour. Eh ben, pas question. Moi, j'ai bloqué 3 jours pour votre salle d'attente. J'y suis, j'y reste. Hein. C'est quand même pas de ma faute si votre assistant est une quiche. Vous avez dû vous tromper dans la date. Ouais, je suis peut-être trop juge, hein, mais je sais encore retenir les dates. Hein. Je vais appeler mon assistant. Messieurs, dames, je demanderai aux accompagnateurs de sortir. Seules les personnes concernées peuvent rester. On a rendez-vous à 10h. Ouais, c'est ça. On a rendez-vous à 10h. Eh bien, très bien. Dites alors aux 2 autres personnes de quitter ce bureau. Faut que mon futur ex-mari sorte. Et ma future ex-femme aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ce matin, je n'attends que personne. Mon assistante s'est chargée d'envoyer la convocation. Eh ben, il n'y a pas que pour moi qui s'est mélangé les pinceaux, apparemment. Hein. Retournez dans la salle d'attente voir vos tuyaux, s'il vous plaît. Eh ben, faudrait savoir, parce qu'il y a 2 minutes, il fallait que je me casse. Je vois avec mon assistant et je reviens vers vous. Moi, j'ai raison. Je suis sûre que c'est aujourd'hui qu'il fallait que je vienne. Je vois de suite et vous appelle dès que la mère est tirée au clair. Eh ben c'est bon, je ferme ma gueule, je retourne bosser. Bien, à nous. J'ai rendez-vous avec monsieur et madame Lepin. Je suis madame Lepin. Et moi je suis monsieur Lepin. Alors, vous êtes qui? Je suis madame Lepin. Et moi, monsieur Lepin. Oh, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Surtout aujourd'hui. J'ai une proche qui se fait opérer et je ne suis pas d'humeur à plaisanter. On va éclaircir le problème. Je vais appeler mon assistant. Axel? Axel! Sur qui vous voudrez, mais certainement pas sur
sans moi, hein. Si vous vous calmez pas, moi je remballe mes clés, mon matériel et je vous laisse dans votre bordel. Je suis pas venue là pour me faire agresser. Oui, écoutez, ne partez pas s'il vous plaît. Je suis à fleur de peau. J'ai une proche qui se fait opérer et je suis très très nerveuse. Excusez-moi de m'être emportée. Vous pouvez retourner à votre travail. Bon, ok, je vais le finir votre chantier. Minute papillon, parce que là, c'est l'heure de la pause casse-cou. Mais pourquoi? Enfin! Ça veut dire quoi? Ça te fait rire, hein?
votre fille. Il n'y a pas qu'elle. Regardez-moi l'autre imbécile de Marius. Bon, et j'en ai une autre. Vous voulez l'entendre? Sans façon. Bah, dommage, hein, elle était pas mal non plus. Hein. On vous a dit non? Vous êtes couché ou quoi? Oh, mais du calme, hein, ma petite dame. Hein. Vous avez l'air d'être à cran ou... On vous mettrait 3 olives entre les fesses, vous nous feriez un lit de tuiles. Vous m'assurez que l'opération s'est bien passée. Mais oui, je vous crois, docteur, mais je suis tellement inquiète. Je n'ai qu'elle, vous savez. Oui, écoutez, je vous rappelle plus tard. Merci, docteur. J'ai rendez-vous, oui, monsieur et madame Lepin. Lepin PIN ou Lepin PRIN? Non mais vous êtes encore là, vous? Je vous demanderai de sortir. Vous n'avez pas entendu ce qui se dit dans ce bureau. Oh bah ok, je vais finir ailleurs. Merci.
Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez divorcer. Ce rendez-vous s'appelle une audience de conciliation. Nous allons essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à vouloir vous séparer. Mais c'est Rose qui a décidé, c'est pas moi. Tais-toi. Vous allez vite comprendre pourquoi, madame le juge. On va voir tout ça en détail. Alors, monsieur, vous vous appelez Marius Antoine Lepin. Vous êtes né le 24 août 1965 à La Grève. C'est exact? C'est exact. Et vous, madame? Vous vous appelez Rose Simone Josette Lepin, née La Flore. Vous êtes née le 11 août 1966 à La Grève. Alors, pourquoi vous riez, monsieur Lepin? Non, mais c'est ces prénoms qui m'ont toujours fait rire. Simone et Josette, c'est pas très glamour quand même. La Flore, quand on s'appelle Rose, c'est pas judicieux non plus. C'est marrant, on aurait pu choisir un autre prénom. Laisse mes parents en dehors de tout ça, et puis tais-toi. Voyez par vous-même avec quoi je vis, madame le juge. Donc, vous êtes mariée le 5 août 1986 à La Grêle. Vous habitez à La Grêle, au lieu dit chemin de la Pinède. C'est logique, non? Chemin de la Pinède pour des pins. Là, t'as de mal en vue, tais-toi, espèce de crétin. On se calme, monsieur et madame Lepin. Bien, je reprends. Excusez-moi, mais j'ai une envie pressante. Ça fait un moment que je me retiens, mais là, je peux plus. Hein, je vais au plus vite.